ça va aller. Et je me disais, mais je n'avais aucune preuve de l'avenir. Le problème, c'était que l'organisation des choses ne me concerne pas. Par moment, vous vous tuez parce que vous voulez tout savoir comment ça va se passer. Et ça ne marche pas comme ça, la vie. Dieu n'est pas notre ami pour nous expliquer tout. Pour lui que nous... Non, par moment, même quand tu ne sais pas comment ça va venir, mais mets dans ta tête que ça marchera. Pour que ça marche, le monde, la moutou, n'est que Satan te bloque. Si tu enlèves dans ta tête que Satan te bloque, tu vas voir les barrières tomber comme ça. Les chaînes tomber. Parce que dans ta tête, tu crois que Satan n'est pas là. Moi, je dis que Satan n'existe pas dans ma vie. Satan existe dans le monde. Mais comme moi, je ne fais pas partie de ce monde, il n'existe pas dans ma vie. Il ne pourra pas exister dans ma vie. Dans ma vie, il y a moi et mes erreurs. Et mes erreurs, je les assume. Est-ce que vous comprenez? Mes erreurs, je les assume. Je ne dis pas que c'est tel ou c'est tel autre. Non. Un jour, un ami est tombé malade. Il est décédé. Son père avait plus d'argent que le mien. Il est décédé dans le campus universitaire. Il était là. La clinique universitaire, pardon. Il est décédé. Il avait fait, je ne sais pas moi, un truc, tout ça. Mais ce qui m'a fait pleurer le plus, c'est que je me suis vu moi-même. Je me suis dit, mais Seigneur, ce garçon, on l'envoie, bah, 200 000 francs, hein, bah, 100 000, à l'occasion de rien. Et il était dans l'hôpital, la mbé, tout est cher. Vous y voyez, imaginez. Mais il a succombé. Et moi, je me suis mis à ma place. Je me dis, Seigneur, ce qui est de la belle, il y a un mot de tête. Ah, ok. Ou j'ai fait une crise. Mais que je deviens comment? Qu'est-ce qui arrive après? Parce que je vois à gauche, à droite, personne ne m'enverra 100 000 francs pour aller à l'hôpital. Est-ce que vous imaginez? Et j'ai tellement pleuré la nuit et j'entends une voix me dire, mais pourquoi tu pleures? Qui t'a dit que tu tomberas malade? Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Qui t'a dit que tu tomberas malade? Tu t'en fais pour rien. Et là, je réponds calmement, je dis oui, c'est là. Mon esprit est fort, je comprends, je suis convaincu que ça marchera. Mais c'est la chair qui pleure. Parce que quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Je passe à côté de ces choses aussi. Et bien, il m'a sauvé la boulot comme oh, typhoïde, oh non, ah, tu l'as à moi, m'bagou, tu m'as dit, tu l'as à moi, bah tiens, maille. Moi, on était comme nous, on a tiens, maille. Je connais, je dis, ma huile, pour me commander. Et c'est ça que nous, on vient prendre. Mais tiens, la bête. Au moment où c'est car, tu viens là, c'est ton oeil, c'est ton oeil de la vie. On va pas. Ok. Parce qu'il ne faut pas qu'on te voit tous les jours là-bas, on comprend que c'est ton repas de tous les jours. C'est-à-dire, on est qui? Tant qu'on est qui? Tant qu'on est là, on vient. On est là, on est là, on est là. Mais, je vais même pas t'aider. Parce qu'il faut donner l'argent déjà avant. Pour que quand tu viens d'apprendre, que tu passes directement. C'est-à-dire, on vient, on dépose, à notre retour, bam! Allez, et quand tu rentres directement dans la chambre, ok, et tu pries même pour ça. Dieu, je te bénis, tu m'as donné ça. C'est parce que moi, j'ai arrêté, j'ai refusé de subir la vie. J'ai dit, je ne subirai pas la vie. Je ne passerai pas toute ma vie à me plaindre. Et les Congolais se plaignent beaucoup. Et on se plaint de tout. Quand il y a des stages, vous vous plaignez. Des stagiaires, des stagiaires, des stages. Mais oui, mais écoutez, qu'est-ce que Dieu a à voir dans les stages? Hein? De l'estage. Mais s'il y a de l'estage, c'est parce qu'il y a des gens qui devaient régler les problèmes de l'estage et ne l'ont pas réglé. Et ces personnes-là, vous les connaissez. Et vous les appelez grands prêtres. Vous les appelez ma pire vieux. Arrivez à les regarder dans les yeux et dire que monsieur, vous êtes des incompétents. Vous êtes une bande d'incompétents. Qui est incompétent? L'incompétent est celui qui sait tout faire sauf c'est pourquoi il doit faire. C'est lui un incompétent. Un incompétent, c'est celui qui connaît, il a des compétences à autre chose qu'à des choses où il va y avoir ça là. C'est comme un mécanicien qui connaît comment réparer le frigo, mais il ne connaît pas comment réparer une voiture. Mais c'est du mécanicien. Ça, c'est un incompétent. Il connaît un ignorant aussi. Il connaît beaucoup de choses, mais il y a beaucoup, il est bien goûté. Et vous avez des gens comme ça. Parce que quand un monsieur te regarde dans la tête, dans les yeux, il te dit, monsieur Christian, ça, c'est pas mon problème. Si le courant n'avance pas, c'est le président. Il faut lui dire, mais pourquoi tu as accepté de travailler? Pourquoi tu ne démissionnes pas? C'est ce qu'il faut dire aux gens. Un roulage te dit, père, personne ne va au corps. Personne ne va au deux, monsieur, mais papa. On va au point, bien sûr. Ah bon, là-bas, on va au lien. Il faut que tu sois en train. Si tu penses que le roulage, ça ne te paye pas, arrête ça. Des messieurs, au lieu de venir rançonner les gens inutilement là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre vivre sur le dos des autres. Arrêtez de vous plaindre. La plainte ici renvoie à une vie de subir. Parce que si vous vous plaignez et vous n'arrivez pas à changer votre vie, ça va être compliqué. Enlevez dans votre esprit qu'il y a certaines personnes qui sont prédestinées à réussir. Ou il y a des gens que Dieu aime le plus. Non, c'est faux. Chacun est né sous son étoile. Chacun a un parcours différent.
des luttes différentes et un parcours différent et surtout une victoire aussi différente. Et la même chose, il y a victoire différente, mais en fait, je veux dire ça, la victoire de quelqu'un est toujours égale ou proportionnelle aux difficultés qu'il va rencontrer, à la lutte qu'il va rencontrer. Alors ne tombez pas dans la bêtise d'envier quelqu'un, la réussite de quelqu'un, sans envier le côté, le prix qu'il a payé. Vous n'avez aucune idée de ce que les gens ont vécu. Hein. Vous n'avez aucune idée. Aujourd'hui, tu vois une femme, elle est belle, elle est grande, elle a tout ça, et tu dis, ouf, là, ça va pas le payer. Mais oui, tu as apprécié quoi? Tu n'as apprécié que le côté positif. Mais tu n'as pas apprécié. Vous savez, tant que l'on dit à tant que l'on dit à hein? Bon, moi, je parle de ce que j'aime bien. Tant que l'on Homo César Sunyon, plein. Père Olé. Oui, Père Olé, c'est pour le déjeuner. Mais ce que j'aime bien manger, Nino Yo. Ma Kembana. Bon, ça va venir. Ça va venir. Je prends d'abord ma Kemba. Je prends d'abord ma Kemba, la soso, par exemple. Parce que c'est un des plats préférés. Quand on mange les soso, qu'est-ce qui imagine la douleur de la casserole? Hein? Qui imagine? Vous n'avez peut-être pas été au village, mais nous qui étions là-bas, on sait. Vous n'avez aucune idée, on est bien dans le salon, ça bien, mais tu sais pas ce que la personne a rencontré pour préparer ça. Vous comprenez un peu? Donc quand vous appréciez la vie de quelqu'un, la reçue de quelqu'un, vous ne savez pas. L'humanité ne parlera pas des 3000 abdos que fait Cristiano Ronaldo tous les jours, mais les gens ne verront que le but qu'il marque et tout le monde apprécie. Non, comme Cristiano. Mais est-ce que tu sauras faire comme Cristiano? Est-ce que tu pourras, toi, pendant que les autres iront dans des boîtes de nuit, toi, tu seras resté dans un bloc, bloqué quelque part? Aujourd'hui, on apprécie Tyson, par exemple, avec Tyson. On dit, mais j'aimerais bien être comme lui. Mais qui va faire comme lui? Qui va se sacrifier comme lui? Qui voudra faire des pompes comme lui? Parce que moi, quand je fais des pompes, je compte, je me dis, je vais faire 100. Mais je me rends compte que ça reste dans la tête, les 100. Tu fais comme ça, 10, 15, 20, 30, tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne, tu t'élèves. Et tu dis, bon, on va me tirer le lobby. Tu fais. Mais à un moment donné, tu veux. T'es bien. Non, mais vous voyez. Mais fais comme lui. Le succès ne vient qu'après le travail. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Dans la vie pratique, le succès ne vient qu'après le travail. Alors, au lieu de poursuivre le succès, poursuivez le travail. Madame Charlie, reviens-toi tous les matins. D'accord? Lave-toi de l'eau froide s'il faut. Bête ma colo ce qu'il faut. Kende kota la potopota zandou s'il faut. Tu comprends? Travaille dans l'idée que dans les 3 mois qui vont suivre, je ne serai plus employé d'eux. C'est moi qui serai employé des autres. C'est moi qui serai l'employeur. Dans la vie, vous devez travailler pour changer constamment de statut. Vous ne devez pas rester dans une zone de confort et attendre que Dieu fasse grâce. Vous comprenez? Sinon, vous allez manger de la poussière et vous allez haïr les gens inutilement. Et le monde n'avance pas avec les insultes des gens. Au contraire, ceux qui insultent deviennent des opprimés, ils ont mal, ils sont mal à l'aise, ils sont des méchants, ils n'ont pas une bonne énergie, ils n'ont pas une bonne ambiance, ils pensent que le monde est méchant alors que le monde est gentil, le monde est bon. Le monde appartient à ceux-là qui se lèvent tôt, qui comprennent la vie, qui ne veulent pas, qui ne trichent pas, qui sont dans la logique de la vie. Et si vous faites ça, rassurez-vous d'une chose, vous n'avez pas besoin qu'un pasteur mette la main sur vous pour vous dire bénissez-vous. Vous-même, vous êtes béni par rapport au travail que vous faites. On se comprend? Et travaillons dur pour devenir les personnes que nous voulons devenir, mais ne pas subir la vie. Ne subissez pas la vie dans toutes ses formes. Si tu vis dans un mariage que tu es en train de subir la vie, tu subis le caprice d'un homme, tu subis les caprices de ses enfants, les caprices de ses bêtes, de sa belle famille. Arrive un moment donné, dis non. Vous comprenez? Arrivez à dire non. Parce que regardez, quand vous subissez la vie, l'autre ne subit pas. L'autre, lui, il est en train de vivre la vie. Et c'est pourquoi je vous dis toujours, quand vous estimez, mais il y a quatre relations, mais là, vous souvenez, pose-toi la question, est-ce que lui aussi se pose les mêmes questions? Est-ce que lui aussi se préoccupe autant de votre rupture? Pourquoi il n'y a que toi qui s'occupe de la rupture? C'est comme si soit tout le cabane vient couffin dans le couffin. Mais il y a même l'intention du cabane en antigrade. Et du coup, tu seras en train de porter la charge d'une relation, tu ne seras pas. L'amour pèse sérieusement. Quand c'est toujours toi qui dois porter la charge, ça pèse. Excusez-moi de vous le dire sans rire, hein? Déposez ça. Déposez. Dites
lui, mon appel tourne à yo. Si on ne peut pas avoir une coupe de commémoration, ok, toti kiwana. Parce que moi, on ne m'a pas mis au monde pour toi. Vous êtes obligé de vivre votre vie, madame. Tu dois te réveiller tout le matin et regarder comment tu es belle. Regarder comment tu es beau. Toi, regarde-toi dans le miroir. Dis, je suis la plus belle créature que Dieu a créée. Je te remercie, Seigneur. L'autre partie, les autres viendront. Ne subissez pas la vie. Ne courez pas après les gens, les supplier de vous aimer. Il n'y a pas une chose stupide que de demander de l'amour à quelqu'un. Il n'y a pas une chose la plus stupide comme demander l'amour à quelqu'un. Je dois vous dire ici, l'amour ne fait pas pleurer. Quand ça commence à faire pleurer, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'exploitation. Parce que celui qui t'aime ne peut pas te faire pleurer. Et ne soyez pas des gens qui bloquent les gens. Quand quelqu'un veut partir, peu importe le temps que vous avez fait, s'il veut partir, laisse-le partir. Aimer, c'est aussi savoir libérer les autres. Quand quelqu'un ne t'aime pas de l'amour que tu l'aimes, que tu aimes ou que tu l'aimes, dis-lui, je te respecte, c'est bon, vas-y. C'est comme ça. Ne prenez pas les gens pour des acquis. Sinon, vous allez payer de votre prix. Je connais une fille vierge. Très vierge. Elle est vierge. Mais voilà ce qui se passe. Tellement qu'elle aime le gars lui pose une condition. Si tu veux vivre avec moi, couchez ensemble. Parce qu'au départ, c'était comme ça. Ils étaient, tu vois, les hommes, nous acceptons tout. Hein. On accepte tout. Est-ce que tu veux pour le sexe? Qui, moi? Jamais! Moi, c'est l'intérieur, comme si j'avais vu ça avant. Moi, c'est de l'intérieur que j'aime. Et là, les hommes sont forts. Est-ce que, qu'est-ce que tu aimes en moi? Non, mais c'est le silence que tu as. C'est la première fois que les gens aiment le silence. En fait, c'est le silence, c'est le calme que tu as. C'est la profondeur. Vous trouvez des mots? L'infausté. Et puis après un mois, après deux mois, après ça commence à dire, est-ce qu'on ne peut pas faire ceci, faire cela? Et la fille a dit, non, je ne peux pas. Je crois à mes convictions, je ne le ferai pas. Bon, elle a été peut-être dure, mais elle a dit non, non, je ne peux pas. Et le gars a trouvé un truc. Il a dit, bon, en tout cas, si tu m'aimes, faisons l'amour. La pauvre femme, dans sa tête, elle ne s'est représentée que cet homme, parce que quand elle grandissait, elle disait, Nambal, il manque, il est grandi, Nakoubal. C'est-à-dire, elle-même s'est mise dans une prison, seule. Et puis, elle, pour se faire convaincre, elle dit, je fais un vœu à Dieu. Toi, et Dieu, vous avez quel vœu? Oh Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, je te donnerai vraiment la virginité. Est-ce que Dieu en a besoin vraiment? Dieu a besoin que tu le craignes, que tu les vénères. En fait, craindre pas dans le sens Yorubanga, Yamabe. Non, Dieu a besoin que tu l'aimes d'abord, que tu lui donnes ta vie, que tu arrives à donner à Dieu ta vie, ta jouissance, ton plaisir. Tu donnes à Dieu, tu dis Seigneur Dieu, prends d'abord ça, moi je prendrai le reste. Et c'est ça la logique. Et maintenant la femme va dire non, je vais tout ça. Et cette fille, elle est venue une fois ici à l'école. Je ne sais pas si elle ne vient plus, pourquoi. Peut-être qu'elle a perdu, mais bon, avant qu'elle ne vienne, elle m'a appelé, elle est venue à la radio, on s'est entendu. Elle m'a dit, non, mais maître, qu'est-ce que tu me conseilles? Je lui dis, fouille cet homme, fouille-le. Alors elle dit, comment je fais? Je lui dis, mais on fait comment pour fouiller? Fouille! Tu as quelque chose de précieux. Je lui dis, tu as quelque chose de précieux. Ton père te dit, ma fille, voici l'argent que nous pouvons servir de connaître la famille. Non, on te donne l'argent, on dit va remettre à ton père, mais ton père est très malade, d'accord? Va remettre à ton père. Je lui pose la question, je lui dis, par quel chemin tu prendras? Elle était très intelligente. Elle me dit, déjà j'éviterai les chemins où je peux perdre de l'argent. Ça c'est le 1, d'accord? J'éviterai les chemins où il risque de perdre mon argent. De 2, là où j'irai, je mettrai mon argent très, très loin pour que même si le mal arrive, ma boîte au laté. Et puis troisièmement, je ferai tout pour ne pas perdre mon argent. C'est comme ça, si tu estimes que ta virginité, tu estimes que tes valeurs, tu estimes que les choses sont plus importantes que tu gardes, alors garde-le. Commence par éviter le chemin qui pourra permettre la bêtise de l'égoum. Et il y a des hommes comme ça toxiques et des femmes toxiques qui ne sont là que pour t'arracher ce que tu as dans la tête, ce que tu as dans le temps. Ils sont là pour ça. Ce sont des chasseurs de virginité. Des chasseurs de virginité. Mais tu as l'amour à la calibre. Ils savent que cette femme est vierge. Et ils vont t'attaquer, ils vont te détruire ta vie pour rien. Autant ils le feront pour la virginité, autant ils le feront pour toutes les autres valeurs. Combien de femmes qui n'ont jamais fumé chez elles à la maison, elles n'ont jamais conçu même à un moment donné qu'elles pourront fumer, mais à cause d'avoir rencontré un homme qui fume, elles aussi ont commencé à fumer. Vous comprenez un peu? Ça veut dire des gens qui ont subi la vie au lieu d'agir. Mais pour agir, vous devez avoir de la responsabilité. Il faut être responsable. Agir a des conséquences. La première conséquence d'agir, c'est le rejet. C'est l'abandon.
D'accord ? C'est le mépris des gens. Les gens vous insulteront. Les gens vous critiqueront. Les gens n'auront pas confiance en vous. Les gens vous diront que vous n'êtes pas bien. Parce que vous en avez refusé de subir la vie. Ici, subir la vie, c'est vivre dans une sorte de conformité. Ici, c'est comme ça. Et dans l'arabo, et bon dit ma bongo. Ce n'est pas parce que dans ta famille, personne ne s'est marié que toi, tu finiras ta vie comme ça. Ce n'est pas parce que dans ta famille, que tout le monde divorce, que toi aussi, tu vas divorcer. Ce n'est pas une question de lien des familles. C'est une question d'éducation, une question d'agir, une question de personnalité. Tu peux vivre dans une famille, papa échoué dans le mariage, maman échoué dans le mariage, et toi, tu réussis dans le mariage. Parce que tu réussis pourquoi ? Tu réussis par rapport aux missions que tu te choisis toi-même. Nous sommes condamnés, nous croyons que nous sommes condamnés à répéter la vie de nos parents. Non, pas du tout, nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés. Et même si ça arrive qu'on puisse tomber, ça ne sera pas le lien de la famille. Sur agir ici, vous devez être responsable, conséquent, assumé, ne fouillez pas, dites oui. Comme la Bible nous dit, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Quand vous dites oui, regardez les gens dans les yeux. Dites-leur, je crois en mes convictions, je ne les changerai pas. Parce que si vous n'êtes pas capable de vivre selon vos convictions, eh bien vous n'êtes pas un homme. Un homme, c'est aussi vivre selon ses convictions. Je te regarde dans les yeux, je te dis, je ne crois pas en ça. Je te regarde dans les yeux, je dis, je crois en ça. Je peux regarder mon père, je dis, papa, n'agouba la moutoutelle. Papa dit, non, bah, nous battez pas la mission. Tu dis, papa, je te respecte beaucoup, tu m'as mis au monde, mais aussi longtemps que tu ne me donneras pas des raisons objectives, je l'épouserai. Ce n'est pas un manquement de respect. Papa, je ne fais pas le droit parce que vous m'obligez de le faire. De le faire. Je ne me sens pas avocat, je me sens musicien. J'assume ma casquette de musicien, je veux faire la musique. Vous comprenez ? Là, vous n'êtes pas impoli. Vous n'êtes pas impoli. Assumez-vous. Donc, ici, arrêtez de subir la vie. Arrêtez de subir la vie. La vie, ce n'est pas arrêter de subir la vie. Il y a des gens qui disent, la vie est un combat. Mais comment vous ne voulez pas que vous battez ? Moi, pour moi, la vie n'est pas un combat. Pour moi, la vie est une aventure à savourer pleinement. Je vis tous les jours comme si c'était le dernier. Et j'essaie de me faire plaisir comme tous les jours. Et je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Tant que je suis dans le bon, tant que Dieu est d'accord avec ce que je fais, je m'en fous du point de vue des autres. Dites ce que vous voulez sur moi, racontez ce que vous voulez. Je m'en tape. Je sais que je ne vais pas convaincre le monde entier. Parce que de toutes les façons, que vous soyez bien, les gens vous diront toujours des choses sur vous. Que vous soyez mal, les gens diront toujours des choses sur vous. Donc les gens ne s'arrêteront pas. Et si ces gens ne trouvent pas des choses à dire sur vous, ils trouveront des choses à dire sur vos femmes, sur vos enfants. Ils vous impliqueront toujours dans quelque chose. Si votre passé est propre, ils attaqueront à votre présent. Si votre présent est propre, ils vont vous coller des choses que vous allez faire dans l'avenir. Et si votre avenir est propre, même après votre mort, ils raconteront des choses. Alors, comme chez nous en Lingala, on dit, auto tombé. On y va comme ça. Les chiens aboient. Et mais si les chiens arrêtent. Prenons le profit et l'amour. Vous savez, l'amour, au sens d'agapao, l'amour est une valeur transcendantale. L'amour est une sémence que nous recevons de la part de Dieu. Et parce que nous le recevons de la part de Dieu, nous ne devons pas donner ça en échange d'argent, en échange de quelque chose. Ne soyez pas gênés si les gens que vous aimez ne vous redonnent pas de l'amour. Vous comprenez? Ne soyez pas perturbés. C'est normal. C'est normal. Regardez, je vous donne une anecdote. Un jour, la terre produisait des choses. Tout ce qu'on jetait, la terre produisait. Et maintenant, un jour, un oiseau passe, il pose la question à la terre. Oh, mère terre, dites-nous, qu'est-ce que tu gagnes en donnant aux hommes, en donnant aux animaux, en donnant à l'humanité ce que tu donnes? Quand on jette un fruit, tu nous donnes un arbre. Quand on plante un maïs, tu nous donnes tout un champ. Quand on plante un noyau d'avocat, tu donnes un avocatier. Mais en même temps, on te crache dessus. On urine dessus. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne te révoltes pas un jour? Et la terre lui dit, non. Chacun fait ce qu'il peut. Chacun donne ce qu'il peut donner. Et chacun garde sa nature. Sa nature, quoi. La terre est faite pour recevoir, d'accord? Et pour redonner. Et Dieu nous a créés comme ça. Dieu a fait en sorte que l'homme soit un homme rempli d'amour. L'amour est une valeur transcendantale. L'amour est une valeur globale. L'amour
implique la responsabilité. L'amour implique la patience, la tolérance, la confiance, le respect, d'accord, l'honneur, la dignité. Parce que regardez, tu ne peux pas avoir un cœur amoureux si tu as un cœur suspicieux. Vous comprenez? Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un si tu soupçonnes beaucoup. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un quand tu n'as pas confiance en lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un quand tu doutes de ce qu'il te dit. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un quand tu essaies de profiter de lui, de profiter de sa faiblesse. Malheureusement, le monde a transformé l'amour en profit maintenant. Aujourd'hui, le monde ne vit pas selon l'amour de Dieu. Le monde vit en fonction du profit. Et malheureusement, le profit est entré partout. Même là où le profit ne devait pas entrer, ce qui est écœurant. Nous sommes avec Omo à l'Équateur. Un monsieur nous pose la question. Omo, tu te rappelles encore? La personne nous pose la question. Si vous pouvez vous foutre là-bas dans ma classe, vous ne pouvez pas vous en aller, non? Je le dis, mais attends deux secondes. Quel est le lien entre donner et recevoir? Il me dit, oui, mais parce que vous avez la bonne boîte. Eh, boîte penza, tu connais vos amis? Je me pose la question, je dis, mais est-ce que pour aider, il faut que j'attende quelque chose? Quand j'ai besoin de l'eau, n'est-ce pas que Dieu fait pleuvoir la pluie? Et quand il pleut, est-ce que Dieu m'a demandé déjà une fois, donc c'est la même là? Quand le soleil brille tout le matin, est-ce que le soleil nous demande quelque chose en contrepartie? Non. Qui a déjà payé la taxe de l'air, de l'oxygène? Qui a déjà payé cela? Mais en fait, apprenez à aimer avec votre cœur. Et pour aimer avec son cœur, il n'y a que Dieu qui puisse te guider comment aimer. Si tu essaies d'aimer avec la tête, tu seras un calculateur. On n'aime pas avec l'intelligence, malheureusement. On aime avec son cœur. La faculté qui nous pousse à aimer, c'est la faculté des émotions. Ce n'est pas la faculté de la raison. Parce qu'avec la raison, tu n'aimeras pas les gens. Avec la raison, tu vas calculer. Avec la raison, tu diras que lui m'a regardé mal. Avec la raison, tu diras que hier, c'est là qu'il m'a bourré, Avec la raison, tu diras que lui peut me faire du mal plus tard. Mais c'est avec le cœur, avec la passion, avec le cœur, avec les émotions, avec beaucoup, surtout des dispositions que Dieu a placées en nous, que quand nous donnons, nous oublions directement. Quand nous aimons, nous oublions. Quand nous aimons, nous protégeons. J'ai vu une mère en train de pleurer son fils, Bakangi Kuluna. Et c'est vrai, Agipe Kuluna. Mais cette maman pleure, on lui pose la question, maman. Asa quand même Kuluna, bien aïe, bien Kuluna, mais à moi, on a Nangaï. Vous comprenez? En fait, elle a senti quelque chose en elle partir, quoi. C'est ça l'amour en réalité. Et que quand nous devons aimer les gens avec notre cœur. On doit arrêter de regarder les gens comme des gens sur qui on doit profiter. Sur le cas de la Bonsana, Paul, prie Dieu tous les jours que tu puisses oublier les gens à qui tu as rendu service. C'est la prière de tous les jours. Oublions des gens à qui on a rendu service. Ne recommençons pas à leur appeler. Si on le fait, c'est à Dieu qu'on demande. Dieu, demande-moi aussi ce que tu as fait pour moi, qu'est-ce que je t'ai donné. Parce que la manière dont tu traites un autre, c'est la manière dont Dieu te traitera aussi. Vous comprenez, ma soeur? Aime. Mais ne demande pas en retour qu'on t'aime. Laisse l'autre exprimer la nature de l'amour. À cause de forcer les autres à vous aimer, vous avez créé des hypocrites. Des gens qui ne vous aiment que lorsque vous êtes là. Quand vous n'êtes pas là, ils disent autre chose. Laissez les autres avoir envie de vous aussi. Laissez les autres avoir envie de vous appeler. Laissez les autres avoir envie de vous écrire. Ne soyez pas là toujours en train de dire, appelle-moi, tu ne m'appelles pas, tu ne m'écris pas, tu ne m'écris jamais. Ce n'est pas ça le problème. Laisse l'autre t'aimer comme il pense t'aimer. En fait, laisse l'autre t'aimer qui puisse exprimer sa vraie nature. Et si tu n'es pas d'accord avec la manière dont il t'aime, dis-lui. Que mon ami, c'est vrai, on s'aime, mais la manière dont tu m'aimes, ça ne me suffit pas. Je préfère aller trouver quelqu'un qui va m'aimer comme je m'aime. Ce n'est pas un péché. D'accord? Parce qu'avec la vie, vous devez être exigeant vous-même. Si vous êtes exigeant vous-même, le monde va se plier devant vous. Mais si vous n'êtes pas exigeant, le monde vous donnera n'importe quoi. Tu dois être exigeante avec toi-même. Personne ne va t'aimer comme il veut qu'il t'aime. Non, on t'aime comme toi, tu veux qu'on t'aime. D'accord? Et donc, je vais terminer par l'amour. J'ai vu des gens faire la orphelinat. Il y a beaucoup de raisons que Dieu ne bénisse pas ce pays. Mais je suis convaincu que Dieu bénira ce pays par cette génération, par cette nouvelle génération. Je suis convaincu. Tu ne peux pas vivre sans donner. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je me dis toujours comment je dors sur mon gros lit. Que Dieu nous pardonne. Hier,
À 23h. Moi, la nuit d'hier, je n'ai pas passé la nuit. J'ai parlé de cela à Omo ce matin. J'ai fini une fête. J'étais en train d'aller modérer une fête. Alors, une fête d'une amie qui fait marier, mais je l'ai fait, encore une fois, gratuitement. C'est une histoire de 500, 600, 700 dollars quand on le fait. Mais je le fais gratuitement parce que je l'aime. D'accord ? Parce que j'ai aimé son mariage. Je lui dis, j'irai le faire. Et après la cérémonie, elle me dit, mais qu'est-ce que tu penses à moi comme ça ? Attends, je dis, non, ne sois pas stressé. Moi, j'ai rendu un service. Je m'en vais. D'accord ? Et je suis parti. En rentrant, je vois deux jeunes garçons. Mais c'est en courbant maintenant que je vois une dame avec un bébé bosso. J'ai tout de suite réalisé que le garçon la poursuivait pour avoir le télévision. Alors j'ai fait un effort d'aller rapide, d'accélérer rapidement. Malheureusement, qui part vite, ta parfum n'obéit pas. J'ai fait un moment d'accélérer pour la rencontrer afin d'ouvrir la portière pour la côte. Malheureusement pour elle, les trois personnes étaient déjà sur elle. Je n'ai pas fermé l'œil toute la nuit. J'ai fait marche arrière. J'ai presque cogné un d'entre eux. Ils ont pris les mabanga et ils ont caillassé Kipavit. Kipavit a déjà bien la carte depuis Kala. Parce que dans mabanga, il y a eu sous, dans mon tout cas. Mais Awa, quel est le risque que je prends? Mais quand je le faisais, c'était pourquoi en fait? J'ai vu cette femme comme Christelle, ma soeur. D'accord? Je l'ai vu comme Christelle, ma soeur aussi. Je l'ai vu comme ma fiancée. Je l'ai vu comme une amie. Je l'ai vu comme une petite sœur. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter de regarder les autres comme des gens au Talikarabango. Ça, il faut avoir un peu d'amour pour ça, un peu de compassion quand l'autre souffre. Mais nous sommes dans un pays où l'amour est parti. Le Congolais veut que l'autre souffre. Et tel y était. Et j'ai fait de mon mieux parce qu'ils étaient à trois. J'ai fait de mon mieux. De klaxonner, de bouger jusqu'à ce que cette fille s'est sauvée. Mais elle, oui, mais pas assez bien. Elle a fui vers l'hôtel Béatrice, elle est allée simplement trouver qui là-bas. Et puis après, les policiers sont venus après, mais les criminels étaient déjà partis. Parce qu'en fait, il faut avoir dans votre vie, dans votre intérieur, une sorte de haine, mais une haine contre le mal. Parce que vous comprenez, vous devez haïr l'injustice. Madame, tu ne peux pas être là en train de voir que Moutou Badou Dibaïm Bengonaye est venu. Vous comprenez? On peut dire que non, et on va faire la même mort. C'est vrai. Prends des précautions pour que le mal ne t'arrive pas. Mais essaie de dénoncer cela. J'ai vu une soeur, la victoire, Badou Dibaïm Bengonaye. Mais il y avait à côté 7 ou 8 garçons. Personne n'a pris l'idée de la taille pour protéger Fiona. On est quel pays? On est quel pays? Mais vous êtes le premier à dire que vos autorités vous ont détruit. Non, mais les autorités ne peuvent que vous détruire parce que ces autorités viennent du peuple. À partir de quand tu vois l'autre souffrir et tu te tais, tu n'as pas d'amour. Comment tu peux être dirigeant si tu n'as pas d'amour? Paul, comment? Pour avoir des élèves à l'école et pour avoir cette école, tu dois avoir de l'amour d'abord pour les autres. Parce que si tu n'as pas de l'amour pour les autres, Paul, tu ne mets pas ton carburant pour venir ici pour rien, et tu sais que tu ne vas rien gagner, quoi. Tu ne le fais pas. En fait, tu ne peux pas. Je suis en train de vous faire comprendre que vous devez avoir un cœur d'amour. Et le cœur d'amour ne s'éprouve pas aux personnes qui nous font du bien. Le cœur d'amour s'éprouve aux personnes qui nous font du mal. C'est ça la grandeur. Je termine avec ceci. Je vous prends un exemple de la Bible. Christ a vu le monde était en train d'aller dans une situation très difficile. Le cœur de l'homme est tellement mauvais que malgré que Dieu avait détruit le monde, mais les gens continuaient à faire des bêtises au-delà de ce que pour lequel ils avaient puni. Est-ce que vous comprenez? Le mal en train pour lequel Dieu a puni le monde, aujourd'hui nous le faisons encore davantage, non? Tout cela, même nous, Nicolas. À l'époque, à Sodome et Gomorre, il n'y avait pas de transplantation, il n'y en avait pas. Transsexe, hein, tout ça, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, vous avez des gens, des hommes qui ont arrêté d'être des hommes. Pas seulement, non, mais ils ont pris des trucs de femmes, ils ont mis là-bas. Ça nous a remplacé, quoi. Et il n'y a pas blasphématoire que ça. Tu comprends un peu? Mais c'est dans cet état que Christ s'est mis. Il dit, bon, écoute, je vais me tuer pour ce monde. D'abord, il vient, il s'habille, il prend votre nature de péché et il meurt comme un pécheur. Au milieu des pécheurs. À l'époque, quand on vous met sur la croix, ce que vous avez commis des crimes les plus forts, quoi. Ce que vous avez récidivé plusieurs fois.
Et Christ a porté c'est pourquoi là? C'était par amour qu'il a fait ces choses. Par amour tout simplement. Il veut sauver l'humanité, il le fait. Mais maintenant, nous autres, nous n'arrivons même pas à supporter que quelqu'un nous dise non. Nous haïssons quelqu'un parce qu'il ne partage pas notre point de vue. Je développe une haine parce qu'il est de l'amouka. Parce qu'il est de cash. À combien il est mené, Nanga? Attendez 10 secondes. On a arrêté d'être des hommes.